Et salut à tous, c'est MultiGaming57, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on est de retour sur Assassin's Creed, j'ai déjà 3h des suites de jeu. Waouh, 95% du jeu en 3h18, c'est magnifique. Prends notre temps, hein. Prends notre temps, prends notre temps. Wouh, wouh, wouh. Et de gauche, à droite, de gauche, droite, gauche, droite, gauche, non, droite, je ne sais plus. Alors, du coup, il faut aller par là. Aller par là, voir un monsieur. Je ne sais plus qui, mais un monsieur. Un monsieur qui va nous aider. On a vu ça ou pas, je ne sais pas. Celui qui avait aidé ta mère, donc je pense que c'est mon popa. C'est mon popo. Il n'y a pas de même signe. C'est pas. Il y a une cabane de chasse à la frontière. What? Une des cabanes de chasse à la frontière. Une des cabanes de chasse à la frontière. Une des cabanes de chasse à la frontière. Dépecer les animaux, dépecer les animaux. Ouais, je vais où là en fait? C'est bien beau de nager, mais c'est cool, mais voilà quoi. Je sais pas où je vais. Allô, je vous foutrais une porte de sortie s'il vous plaît. Ah, voilà, ma porte de sortie là, voilà. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça ne sert à rien, mon petit. Par contre, par là, je peux. Traverser, bonjour, est-ce que le monsieur il est là, le monsieur gentil qui veut m'aider? Est-ce qu'il est par là, le monsieur? Bonjour, je voudrais voir un monsieur gentil qui doit m'aider. Allô, je voudrais voir un monsieur gentil qui doit m'aider, s'il vous plaît. Un monsieur gentil qui doit m'aider. Ça serait bien de le voir. S'il vous plaît. Allô? Allô? Aidez-moi. Je veux voir un monsieur gentil qui doit m'aider. Monsieur gentil qui doit m'aider. Nanana, monsieur gentil qui doit m'aider. Il doit m'aider, le gentil monsieur. Là, il y a des méchants en bas, c'est ça, méchants. Les méchants gens. Méchant monsieur, là, on va le tuer. Il est mort? Oui, il est mort. Fouillons-le. Fouillons Jean-Marc. Et piquons son arme aussi en même temps, tiens. Ah, bah elle est pas chargée en fait. Vache. Ah mince, le monsieur gentil, il est pas par là. Non, il faut que je reprenne le chemin que j'ai sauté en fait. Hé hé. Moi je pense que. Mais merde, il est par là, mais il est pas par là, mais il est par là. Attendez, mais aidez-moi là. Aidez-moi à trouver ce monsieur gentil qui veut m'aider. Bonjour, je voudrais voir un monsieur gentil qui me veut du bien. On m'a dit qu'un monsieur me voulait du bien dans cette contrée. Est-ce qu'en sautant par là-bas? Je pense pas que je meurs pas en fait en sautant. Si c'est possible de ne pas mourir. Surtout qu'en fait il est là-bas. Non, il est pas là-bas, mais il est où? Il est où le petit monsieur? Bon, attends déjà. Je crois que je vais mourir. Ouais, je croyais que j'allais mourir, mais moi je voulais sauter dans l'eau en fait. Je savais que j'allais mourir. Et là je recommence tout. Mais je comprends pas le chemin, je vois pas le chemin qu'il faut prendre. Je suis à combien de temps de vidéo? 4 minutes 16, mais il y a trop de soleil aussi chez moi. Je préfère la neige, c'est mieux la neige. La neige c'est mieux que le soleil. Bon, je reprends le chemin là, bon je reviens à John machin là du coup, hein, ils m'ont pas tout désynchronisé non plus. Je vais enlever que un peu. Donc on prend le chemin pour aller voir le monsieur gentil qui veut du bien. On s'en fout de l'autre des millions de bas là. On s'en fout royalement d'ailleurs. Même plus que royalement, princièrement. Si royal c'est mieux que princier. Puis princièrement ça se dit pas alors que royalement ça se dit. Princièrement peut-être que ça se dit. Non, royalement c'est mieux.
secours, ah monsieur nous veut du bien. Ah monsieur nous veut du bien, mon petit, ah monsieur nous veut du bien. Pourquoi tu ralentis? Pourquoi tu marches tout seul? Dégagez le passage! D'accord. Aidez-les. Oui, si tu veux. On m'a dit d'aller là, donc moi je vais accepter. Donc tant que ça voyage, je reviens. Je vais fermer mon volet, je reviens. Tout de suite. Mais je fais pas d'ellipse, à tout de suite. Et me revoilà en même temps que la synchronisation, dis donc, quelle synchronisation incroyable, moi en même temps que le jeu, hein, pour une fois. Ouais, je crois synchroniser avec un jeu. Oula, non là c'est le décès tout de suite. C'est le décès impeccable là. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je peux faire un saut. Allez, on va voir Jean-Marc, il veut nous aider Jean-Marc. Jean-Marc il est gentil, c'est notre ami. Pas Jean-Marc Furlan, même si je n'ai rien contre cette personne, que je connais juste son nom. Je crois que c'est entraîneur de Brest ou une autre équipe. Pas Brest, Furlan. Furlan, si ça doit être Brest. C'est plus rapide par les arbres en fait. Et pas par là, mais monsieur. Cet homme qui nous veut du bien est-il dans le coin là? Un jour sera-t-il là? Allez, c'est parti, on va le voir, le monsieur, allez. Monsieur, il nous veut du bien, il y a un pont par là. Putain, mais il est où? Il est où ce mec? Je veux un cheval. Bonjour. Ok, bon je pensais qu'ils allaient m'aider. Je suis d'une autre tribu je pense, en fait. Sauf que je me suis un peu paumé là, mais le jeu me dit d'aller par là, donc moi je vais par là. Oh, il y a une maison. Ce serait enfin par là qu'il faut que j'aille. C'est pas par contre, tu sais pas faire des roulades toi. Serais-je enfin arrivé avec cette maison? Ou pourrais-je au moins prendre un cheval avec cette maison? Par contre ce saut était magnifique. Puis-je vous voler un cheval, monseigneur? Puis-je rentrer dans votre maison, monseigneur? Lancez la mission. Enfin! Ah, dis donc. On a mis du temps pour m'y amener. On retoque, voici s'il y a quelqu'un. Rien dessus. Ok, j'ai pas compris. Quittez-vous dans les étables, pas de problème. Avec cette pluie, ça me dérange pas avec toute cette pluie. Hein. Oh, mais il y a des chevaux là, enfin. Il ne se passe pas grand chose pour l'instant. Non, pas grand chose. Ah,
jour suivant. Comme vainquez l'homme de vous parler. Pas de problème. Je vais vous convaincre de me parler. Interagir, tu vas retoquer, ça va refaire la même chose. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. La porte de derrière. Non, 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 on s'en fout. Ah, mais il y a un truc en haut là. Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est quoi? Non, non, c'est pas en haut. C'est par là. Un truc à trouver ici. Il y a pas chaud. Alors, mais là, s'il vous plaît, accordez-moi juste un peu de temps. Pardonne-moi si je n'ai pas été assez clair. Mes paroles ont peut-être perturbées. Mais comme je n'ai jamais eu l'intention de me tromper, je veux être précis. Fiche le camp de mes terres. Ben non. En fait, j'explique, c'est pas le principe, c'est pas pour ça que je suis venu, donc c'est non en fait. Je vais pas fiche. C'est pas le balcon, pas de problème, mais c'est pas le balcon. Est-ce que j'ai déjà essayé de faire porte? C'est ce que j'ai. Ah, mais monte, connard. Ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Allez, viens un peu. Je suis arrivé. Mais écoutez-moi, qu'est-ce qui vous fait si peur? Peur? Je te signale que je n'ai peur de rien. Encore moins d'un petit morveux suffisant comme toi. Oh, tu rêves de devenir un héros, hein? De sauver des pauvres âmes, et même le monde entier. Mais si tu continues, la seule chose que tu deviendras, c'est un cadavre. Mais non, tu crois quoi, toi? Je suis plus fort que toi. Le monde évolue, petit. Suis son exemple. Je ne partirai pas, vous m'entendez? Je ne partirai jamais. Attends un peu, vieillard. Je vais passer par le toit. Bon, et de l'autre côté, c'est plus rapide. Ça fait moins mal aussi. Je ne m'avoue pas vaincu si facilement. Ça fait un petit peu mal. Mais pas trop non plus. Oh merde. C'est qu'un vieux fou, ce sera facile. C'est ce que t'as dit l'autre fois, mais j'ai perdu mon cheval et gagné un œil au beurre noir. Qui êtes-vous? Oula. Des gens dont les affaires ne regardent pas, petit gamin. Tu ferais mieux de filer avant de t'en mordre les doigts. Non. T'avais prévenu, petit. Tu défonçais ton pote, te redéfonce ensuite. Putain, débile. Hey, mais comment tu veux que je te mette des pertes de santé face à des mecs qui sont mieux armés que moi? Je vais même mourir en fait face à eux, si t'as pas compris. Oh, mais ils vont tous me tuer là en fait, si t'as pas compris. Comment tu veux qu'ils me tuent pas? Comment tu veux qu'ils me tuent pas? Je pense que ça va régénérer un peu en vie, mais ça va peut-être pas suffire. Ça va légèrement pas suffire en fait. Allez, crève, voilà. Pourquoi êtes-vous ici? Non, je vais pas passer. Oh, connard. J'aurais passé, j'aurais bien compris. Peut-être que ça va te délier la langue. Oh. Voilà, crève.
Knuckles. Oui, nous avons à parler. Ah, peut-être enfin m'aider. J'ai compris du temps ensemble, c'est de moi ça en fait. Pas de mon son, mais moi ça. J'ai bien fait de pas passer, puis en plus ça rajoute un. Voilà. Ça fait comprendre un peu l'histoire le fait de pas passer. Pas idée, donc on me dit pas de passer. Bon. Achille. Et dire Achille. Pardon. Ce n'est rien. Cet endroit ne demande qu'à s'écrouler. C'est un miracle. Tiens encore. Mais toi, qui es-tu? Je m'appelle Radoen Gelon. Je vois. Eh bien, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Ah. Dis-moi ce que tu fais ici. Radoen Gelon. On m'a dit de chercher ce symbole. Sais-tu au moins ce que ce symbole représente? Sais-tu ce que tu me demandes? Non. Et pourtant, tu es là. L'esprit a dit que j'avais... Les esprits, ton peuple, harcèlent les assassins depuis des siècles. Depuis qu'Ezio a frotté la lampe. Ah, tu ignores tout de ce qu'est un assassin, n'est-ce pas? Un petit peu. Je serais mieux de t'asseoir, parce que l'histoire... va prendre un temps. Oh non, moi aussi, alors je m'assois. C'est parti. Pour une histoire très longue. Ah, il me raconte pas l'histoire à moi. Pourquoi les assassins ont pour mission de traquer et de tuer les Templiers? Parce que s'ils parviennent leur fin. Bien sûr, je vous connais l'histoire, bien sûr. Pas que tu seras. Bien. J'ai quelque chose à te montrer. Ok, t'as quelque chose à me montrer, je t'assure. Oh, attention. Ne plaisantez pas quand je t'ai dit que cet endroit tombait en ruine. Pourquoi vous ne le réparez pas? Il est trop vieux, peut-être. Oh, à quoi bon? Je ne dispose même pas des matériaux nécessaires. Achetez-les. Avec quel argent? Non, mais tu m'as bien regardé. Tu m'imagines débarquer dans un magasin déballant ma bourse pour faire des achats? Oui. Pourquoi? Tu es si naïf. Ouais. Par ici. Je t'attends. Tu marches pas très vite, hein, mon tien. Que va-t-il se passer? Je crois que j'ai vu une tenue, vraiment. Une tenue qui me rappelle vachement quelque chose. Bon, ben voilà, j'ai bien vu quelque chose. Ne crois pas qu'il te suffit d'entrer ici et de revêtir ses habits pour devenir un assassin. Je n'aurais pas osé. Non, je comprends. Cette tenue a une certaine allure. Mmh. Ouais, je le dis. Très bien. Je vais te former. Et nous verrons si tu es digne de la porter. Merci. Achille. Merci Achille. T'es mon pote Achille. Bien, moi. Nous avons fort à faire. Comment tourne le monde? Que
veulent les Templiers. Ce qu'ils ont toujours voulu, le pouvoir. Les colonies offrent une vraie opportunité. La possibilité de nouveaux départs, libérés du poids du passé. C'est pour cela qu'ils soutiennent les Anglais. Ici, ils ont la chance d'illustrer les mérites de leurs croyances. Tout un peuple au service de l'ordre et de la discipline. J'ai vu ce qui allait arriver s'ils y parviennent. Ils doivent mourir, n'est-ce pas? Jusqu'au dernier. Même mon père. Surtout ton père. Il est la clé de voûte de leur organisation. Même ton père. C'est triste, hein. Même ton père doit mourir, mon petit. Pas pour son vie, hein. Mais oh, je suis pas un professionnel des bagarres non plus. Je lève pas le matin en faisant à courir, meilleur. À grimper, à combattre, à tomber. Et pour chaque leçon destinée au corps, il y en avait deux consacrées à l'esprit. Langue, philosophie, logique, les arts. Achille m'a tout appris sur les assassins et les Templiers, leur organisation, leur origine et leur but. Des siècles d'histoire résumés en quelques jours. Je lui ai parlé des hommes qui avaient brûlé mon village, de Charles Lee et de la promesse que je lui avais faite. Achille m'a expliqué que Lee et ses hommes étaient tous des Templiers, et que leur chef n'était autre que mon père. Si je devais servir l'ordre, ces hommes deviendraient mes cibles. Alors j'ai redoublé d'efforts et de hardes. C'est pas pour créer ma mission, je crois pas que c'est par là. Il restait encore beaucoup à... Non, c'est pas par là. Ma formation ne faisait que commencer. Donc quand même 6 mois plus tard, ta formation elle est commencée. Au bout de 6 mois, c'est bien de commencer sa formation. C'est bien par là. Bah oui, mon ami, elle est par là ma mission. Je pense que c'est bien et bien par là. Il neige, youpi! Ah bah voilà! Ah bah c'est con! Parce qu'en fait, voilà, tu vas pas au-dessus, tu vas à côté de lui. Ah c'est. Voilà. Bonjour! Bonjour! Bonjour à toi! Tu pars en voyage? Il est grand temps que je m'occupe de cette maison. Tu vas m'y aider. Allez, grimpe! Nous allons réparer la maison. Réparons la maison de l'homme qui nous veut du bien. J'ai des courses à faire ou je dois juste suivre? Cet endroit est fantastique. Tous ces gens, ces sons, ces odeurs. Je pourrais marcher dans ces rues pendant des jours sans en découvrir toutes les merveilles. J'ai ressenti la même chose que toi. Mais ces temps-ci, je préfère le calme de la campagne. Il y a tellement de choses ici. Tellement de possibilités. Je ne pas le sud depuis tout à l'heure. Il y a une boutique. Achète ce qui se trouve sur cette liste. Dis-leur où est le chariot et assure-toi qu'il le charge. Tu as compris? Ouais. Oui. Bien. Nous allons devoir te trouver un autre. Tu as la peau assez claire. On s'imagine que tu as du sang espagnol, italien. Mieux vaut passer pour un espagnol que pour un indien. C'est vrai. Ou mieux qu'un noir comme moi. Ce n'est pas vrai. Il arrive que la réalité et la vérité
soit bien différente. Comment peux-tu m'appeler alors ? Connor. Tel serait ton nom. Allez, va. Fais ce que je t'ai dit. Connor. Il y a une boutique dans le coin. Et cette boutique, il faut que je la trouve. Cette petite boutique, il faut que je la trouve. C'est bien ça. Je me suis pas planté. Tu es perdu. Articles de cette liste. Bah, tu veux payer en argent ou en nature ? Voilà. J'ai certaines de ces choses, mais pas toutes. Je peine à trouver du bois depuis que mon fournisseur a disparu. Mais j'ai les outils et le vrai. Les clous aussi. Où veux-tu que je te les livre ? Notre chariot est près du Parlement. Voilà, allez. Laisse-moi le reste. Tournez pas, Achille. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une bagarre? Pourquoi Achille, il est dans l'air de l'autre? J'ai bien l'intention de le découvrir. C'est moi. Mais c'est vrai que ça a bien changé. Hein. Je vous dis de vous disperser. Les rassemblements de la sorte sont interdits. On ne bouge pas d'ici, Vermis. Ouais. Et si t'allais te disperser en Angleterre? Ce tumulte n'amènera rien de bon. Rentrez chez vous et tout sera pardonné. Jamais. Pas avant que vous soyez châtiés pour vos crimes. Bande de lâches. On n'a pas peur de vous. Moins que des armes sur des citoyens. On ne bougera pas d'ici. Là. Ah, d'accord. Et c'est ton père. Oui, il est venu jeter de l'huile sur le feu. Tu dois suivre son complice. Cette foule est en train d'exploser. On ne peut pas le laisser faire. Mais. Et tais-toi. Fais ce que je te dis. Alors, espèce de petit poltron, tu vas me tirer dessus. Hé, hey, Lombard, vas-y, serre-moi ton bousquet. Pourquoi est-ce que je dois m'arrêter de le suivre? Attends, c'est pas fini. Je l'ai. Derrière. Boum. T'es mort. Ton plan a échoué. Loin de là. Allez au diable ! Tirez ! Et mince.
C'est lui le connard. Ok, quitter la zone et tenir de nuit. J'ai quitté la zone, je dois devenir anonyme. Bon, parti, on passe 34 secondes pour m'échapper. Et bon, personne ne trouve. Je suis bien planqué. C'est bon, j'ai réussi. On voit que mon père est un gros connard. Où est passé Achille? Je ne le sais pas. C'est une très bonne question. Je pense que cette question va la résoudre dans la prochaine vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Allez, salut!